Essa paisagem aos pés dos Pirineus me leva até a Irène Guilhandou, a alma do Domaine Latapi, no Jurançon. Sob a bênção do Pic du Midi, que além de olhar a França e a Espanha do alto dos seus 2.877 metros, ainda olha para o céu, com seu observatório que começou a ser construído em 1878. Foi lá que os astrônomos Janini e Pierre Cone detalharam a composição das atmosferas de Marte e Vênus. Esses mistérios entre o céu e a terra também encantam Irène, principalmente no jeito de tratar seus vinhedos. Il faudrait que certaines vignes écoutent la musique et d'autres pas, mais dans la vie pratique, c'est pas possible. Et la musique en la vigne. Ben, j'ai lu des études qui prouvent que ça permet une production d'enzymes qui vont permettre d'un côté de stimuler les défenses naturelles de la plante et d'un autre côté de stimuler sa croissance. Pendant toute la saison, une heure de musique tous les matins, même si on est aux vignes, ne serait-ce que pour nous, c'est vraiment très bien. Et quelle est la musique classique ? Oui, la musique classique et donc d'autres études m'ont montré qu'il fallait que je travaille en 432 Hz. Música a 432 Hz. Isso mesmo. Alguns estudos defendem essa frequência como sendo a mais próxima da natureza, relaxante e até curativa. La musique que l'on écoute nous, c'est 434 ou 436, c'est pas tout à fait la même musique. C'est quelque chose qui s'est passé au 17e siècle, elle a été décidée de positionner sur une certaine fréquence la musique. Com uma vista dessas, a essa altura, certamente os vinhedos trabalham felizes e com música. Irène é o que chamamos de biocertificada. Oui, moi j'ai choisi, je suis rentrée en ce qu'on appelle nous en France en bio en 2002-2003 avec une poignée de copains de l'appellation. Je suis rentrée en certification qu'en 2009 et donc depuis mes produits qui sortent depuis 2012 sont certifiés bio. Alors pourquoi faire ce choix-là? Pour trois raisons. La santé des consommateurs, ma santé et la santé de l'environnement dans lequel j'évolue. Et cet environnement me dit merci puisque d'année en année, on voit le nombre de plantes qui sont présentes au pied des vignes augmenter, tant en termes de nombre de plantes, mais en termes de nombre d'espèces. Et le plus joli cadeau, c'était il y a trois ans avec la sortie d'une orchidée sur une parcelle. Orchidée qui n'est pas remarquable, mais qui n'était pas présente sur le reste de l'exploitation. Donc ça veut dire que chaque petite graine qui est en dormance dans le sol, au fil du temps, elle a les conditions favorables pour se réveiller et revenir à la vie. Alors on ne réinventera pas les espèces qui ont disparu, hein, définitivement, mais ça permet d'avoir un écosystème plus équilibré et un cadre de vie relativement plus que sympathique. O clima de Jurançon não é fácil. Sem os produtos químicos pode ser mais difícil. Mas nunca é impossível. C'est vraiment très difficile. Dans notre pays, on est un coin ici, dans ce coin de France, où on a beaucoup, beaucoup d'eau. On a de la chaleur, mais on a aussi beaucoup d'eau, donc avec une pression de maladies cryptogamiques très, très importante. Et pendant que nos copains sortent des 60 hecto-hectares, moi, je sors péniblement. Cette année, qui est une grande année, je suis à 20 hecto-hectares. Et c'est une année facile, beaucoup moins compliquée que d'habitude. Par contre, pourquoi produire ? On produit pour faire de bonnes choses, mais on produit aussi parce qu'on a besoin. Enfin, c'est une façon d'avoir de l'argent pour payer ce qu'on a besoin de payer. Et pour moi, ce qui est très important, c'est d'avoir un besoin d'argent intelligent et cohérent. Donc, si tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent, ben, ces 20 hecto-hectares, ils suffisent à faire tourner la boutique. Moi, cette année, j'ai pour la première fois embauché deux personnes à temps plein parce qu'on a développé une quantité d'activités autour de cet espace viticole avec des hébergements, beaucoup beaucoup d'activités de nos tourismes qui sont elles aussi génératrices de rémunération. Et du coup, c'est un cercle vertueux parce que ici le cadre est beau, les vignes permettent de voir qu'on est dans un univers sans pesticides. Du coup, les gens viennent créer des activités, créer de la richesse, cette richesse permet d'embaucher du personnel et permet de faire des choses de plus en plus belles. Irène tem a humildade dos grandes, fala diversas vezes que está aprendendo,
flerta com a agricultura biodinâmica, mas não consegue se definir. Alors, moi, je ne suis pas en biodynamie certifiée, je ne comprends pas tout à la biodynamie, mais vous voyez, il y a des haut-parleurs là à côté de nous, je fais écouter de la musique à mes vignes, j'ai planté des cailloux en granit, alors je ne sais pas, je suis peut-être pas de la biodynamie, mais un peu de géobiologie, beaucoup d'essais, et je suis incapable de prouver quoi que ce soit. Aujourd'hui, globalement, je sais faire du vin, globalement, je sais à peu près comment faire pousser la vigne, même si tous les ans, on apprend des choses. Mais j'ai besoin d'être toujours avec un défi à surmonter. Et c'est ça, quoi. Donc, c'est pousser toujours plus loin le curseur, quoi. Alors, je disais tout à l'heure, rendre toujours plus beau ici cet espace, quoi. A propriedade da família faz tempo, muito tempo. Ma famille habite ici depuis au moins 1648, donc c'était une famille de petits... 1648. Bon, c'est l'année de... On a retrouvé dans les archives de la maison, c'est l'année de mariage d'un Abel Latapie, donc un de mes ancêtres, je ne sais pas combien tiens avant moi. Et c'était une famille de petits paysans. La ferme ici est toute petite. Dans les années 60, il y avait simplement un hectare et demi de vignes, il y avait 5 hectares de châtaigniers et quelques prairies pour nourrir 5 vaches. Donc vraiment, c'était une toute petite ferme. Mes parents ont un petit peu développé, comme c'était la mode à l'époque, avec du lait, de l'ensilage de maïs, hein, cette agriculture très, très productiviste, mais qui n'était pas du tout adaptée à nos coteaux, puisque c'est vraiment très, très en pente. Et donc en 91, mon papa s'est tué avec une machine agricole. Et en 94, à l'époque, la France donnait des sous aux petits paysans pour qu'ils prennent la pré-retraite pour que leurs terres aillent à d'autres qui devenaient de plus en plus gros. Et donc en 94, ma maman a dit moi j'arrête, et j'étais le seul enfant, donc j'avais un métier à l'extérieur. Si je ne reprenais pas, il fallait louer ou vendre, donc pour moi c'était impossible. Donc j'ai dit je reprends, et quoi faire ici à part de la vigne sur ces coteaux si en pente. Et l'aventure est partie comme ça. Je n'ai aucune formation théorique pour faire ce métier-là, et tous les ans j'apprends, et chaque cuvée je redemande encore à l'œnologue combien il faut mettre de soufre pour arrêter les cuvées. Oui. Voilà, c'est vraiment c'est plus un savoir empirique et global de l'exploitation qu'une grande compétence uniquement sur le vin, quoi. Je suis plutôt un multitâche qu'un mono intérêt, quoi. Irene nasceu aqui, nasceu em contato com a natureza, mas andou por outras bandas. Foi para a cidade, fez outros trabalhos. J'ai fait plusieurs métiers. Celui que j'ai fait le plus longtemps, j'étais dans un bureau à gérer des dossiers de subvention pour des éleveurs de porcs. Et quand j'ai arrêté le travail salarié, j'étais responsable d'un magasin d'impôts qui faisait partie d'une chaîne de magasins qui vendait des développements photos. Alors aujourd'hui, cette chaîne n'existe plus parce qu'avec le numérique, plus d'intérêt. Oui, quoi. Voilà. Obviamente, nenhum escritório pode ser comparado a este. J'ai fait les autres choses, mais quand j'ai repris la vigne, j'ai arrêté. J'ai pas cumulé les activités, quoi. Oui, oui. Et c'était une question de survie de reprendre cette exploitation. Puisque j'étais mariée à l'époque, et si j'avais suivi le père de mes enfants, je serais déprimée quelque part, quoi. Enfin, j'aurais pas eu la belle vie que j'ai aujourd'hui, même s'il a fallu travailler beaucoup, s'il a fallu se secouer. J'aurais pas eu cette belle vie-là, donc j'ai pas de regrets, et je dis merci la vie, quoi. Oui. Et cette paysage, c'est incroyable. C'est incroyable, ouais, ouais, j'ai un bureau qui est plutôt très très sympa. Ah, oui, oui. São apenas 4 hectares. Johansson só produz brancos, doces, deliciosos. Mas Irene resolveu produzir também um Cabernet Franc. Ça, c'est une parcelle de Cabernet Franc. Johansson, ce ne sont que des blancs, mais ici on est sur un terroir calcaire, et donc il y a 10 ans j'ai décidé de planter du rouge, parce que je faisais les marchés, et sur les marchés les gens ils veulent toujours ce que vous n'avez pas, ils oui. voulaient toujours du rouge, donc un jour j'ai dit bon, vous allez voir ce que je vais en faire moi. Voilà, tout simplement. J'ai 4 hectares plantés en blanc et 80 hectares plantés en rouge. J'ai produit 80 hectos cette année, et sur les 80 hectos il y a 10 hectos de rouge, mais c'est plus le côté terroir
noir que je vais chercher avec, avec le rouge. Quand j'ai voulu planter du rouge, mes copains de Jurançon m'ont dit « on n'a jamais fait de bon vin rouge à Jurançon ». Donc, 5 ans après, je leur ai porté des bouteilles. Je leur ai dit « voilà ce que j'ai réussi à faire ». Et puis, l'année d'après, l'un d'eux est venu m'acheter ses bouteilles. Et l'année encore après, il est venu chercher des bois chez moi pour que le pépiniériste les lui greffe. Donc, j'avais prouvé quelque chose. Quoi. Na pequena vinícola, os tanques protegidos do frio. Sim, enquanto em muitos países os tanques são resfriados, aqui precisam ser aquecidos. Alors, à l'intérieur, tu vois, il y a plein de câbles électriques. J'ai des cannes chauffantes d'aquarium pour que le vin il reste à 18 degrés de température. Donc, en isolant comme ça, les levures en fermentant, elles produisent leur propre chaleur. Ah, et besoin de chauffer. Oui, bah, pas 18 degrés. Voilà, ouais, c'est ça. Refroidir, ouais, tout à fait. Ouais. Provamos os vinhos, doces, frescos, encantadores. A mineralidade é surpreendente. C'est du calcaire, hein? Ouais, c'est un calcaire. C'est une anecdote géologique. Hein? Il y a 2 ans, j'avais reçu des savants et l'un d'eux m'avait dit que ça datait d'avant les dinosaures. Donc, ah, c'est pour ça cette minéralité. Donc. Ouais, c'est ça. Tiens, donc ça c'est un premier moelleux de 2016. Et Rene fala dos vinhos comme uma mãe fala dos filhos. Donc là, sur ces 3 cuvées-là, c'est assemblage gros et petit mancin. Là, on est sur des monocépages de petit mancin. Là, on est en 2008. 2008, c'était, je ne suis pas sûre que je referais cette cuvée-là. C'était une année froide. On a ramassé des raisins mûrs, mais il nous a manqué du soleil. Donc, on a eu des acidités assez importantes. Et au début, l'acidité, elle était vraiment dominante. Le vin, il était déséquilibré, il était porté par l'acidité. Et là, tu vas voir, ils se sont bien, bien trouvés et c'est un joli équilibre. Provamos os vinhos em estágio inicial de fermentação. Tandis que là, on fermente déjà un petit peu. Ah oui. Ouais. Bon, après, le rapport à l'acidité va être tronqué parce que ça pétille et donc tu as l'impression que c'est acide. Mais... Il y a du monde, hein. Oui. C'est beaucoup. Donc ça, c'est un jus que j'ai ramassé à 18. Mais à 18 18 degrés d'alcool potentiel. Ça reste exceptionnel. Ça sera bien. Oui, ça sera bien. Il a du futur. Il a du futur. Provamos o Cabernet Franc. C'est drôle, il s'est troublé. Tiens, il était plus. Il n'y a d'autres ici en la région du Cabernet Franc. Alors, non, c'est pas la région du Cabernet Franc. C'est unique et puis c'est pas Jurançon, quoi. Jurançon, oui, ce ne sont que des blancs. Ouais. E chegamos ao que dá força à Irene. Força que está no modo de falar, no rosto e nas atitudes. Ces bouteilles anciennes, en fait, c'est un talisman. C'est le dernier vin qu'a fait mon papa en 90. Voilà, on a décidé de les boucher. Et c'est un petit peu comme si, parce que j'ai pas un énorme gabarit, et on peut se demander comment j'ai réussi à faire ce métier-là, qui est quand même plus facile à faire pour un grand gaillard de 90 kilos, 1m90, c'est beaucoup plus facile. Et je pense que ces bouteilles, elles m'ont donné la force de faire ce métier-là et elles m'accompagnent. C'est un peu comme la calebasse des ancêtres dans les tribus africaines. On met les cendres des ancêtres dans une calebasse et puis elle suit la tribu au fil de ses pérégrinations, quoi. Donc c'est un petit peu ça, ces bouteilles. Minhas palavras acabaram. Não precisava mais perguntar nada. Fui embora escutando a música que os vinhedos gostam, a 432 Hz.